Mais que se passe-t-il? Notre chronologie post-Seconde Guerre mondiale est totalement chamboulée dans cette Uchronie qui va donner lieu à un jeu formidable et peut-être injustement oublié, un jeu que j'adore et que j'avais à cœur de vous présenter. Un jeu basé, bah voilà, sur la modification de faits historiques, soit le fait que les Soviétiques aient réussi à développer la bombe atomique avant les Américains et à mettre eux-mêmes un terme à la Seconde Guerre mondiale, leur permettant d'étendre l'influence communiste de force, hein, par grande influence, mais surtout de force, sur le reste du monde. Et là, on voit un sous-marin gigantesque, même plusieurs sous-marins qui s'apprêtent à partir réaliser une invasion, l'invasion d'un grand pays avec de grandes valeurs de liberté. On va découvrir ça tout de suite. Un jeu réalisé par IO Interactive, un studio à qui l'on doit la saga Hitman, fabuleuse saga que j'adore également, et une musique, vous l'entendez, vraiment grandiose, composée par Jesper Kidd, qu'on ne présente plus, qui a signé pas mal de soundtrack de jeux vidéo déjà sur 16 bits, mais essentiellement avec IO Interactive sur la saga Hitman. Et nous nous apprêtons à découvrir le théâtre des opérations de ce jeu, ni plus ni moins que New York ou Manhattan. En tout cas, les États-Unis vont être pris d'assaut lors de cette invasion russe dans le jeu Freedom Fighters. Voilà, ça c'est un jeu vraiment qui m'a énormément marqué en 2003, que ce soit sur PS2, Xbox, GameCube ou PC. Et un jeu bah, qu'on a un petit peu oublié, un jeu qui est un peu une parenthèse pour le studio IO Interactive entre quelques jeux Hitman et un peu plus tard les très, comment dire, discutables Kane & Lynch. Mais Freedom Fighters, vraiment un super jeu qu'on va redécouvrir aujourd'hui dans son introduction, qui à mon avis reste toujours très jouable, toujours très joli à regarder. Alors pour les joueurs de la vidéo, nous passons par bien sûr l'apport de l'émulation. Donc il y a des glitches graphiques à droite à gauche, mais il n'y en aura pas in-game. Et nous entrons dans ce menu assez sobre, nous lançons une partie directement, je pense qu'on va jouer en mode normal. Et nous allons assister voilà, à l'introduction. Et la première mission du jeu. Bon, je pense qu'on va passer une vingtaine de minutes ensemble à s'immerger dans ce cadre d'invasion qui ne sera pas sans nous rappeler un film, un très vieux film que j'ai découvert récemment. Quelque part, j'ai envie de dire que Freedom Fighter, c'est un peu l'adaptation moderne non officielle de L'Aube Rouge, un film réalisé par John Milius avec Patrick Swayze, Léa Thompson et Charlie Sheen. Qui parle, alors cette fois-ci dans les années 80, d'une invasion d'une petite ville du Texas par des forces russes et cubaines, une invasion de force où des jeunes vont se cacher en montagne et s'armer pour mener une guérilla contre les Russes. Bah, c'est un peu tout à fait le même principe qu'on va voir là dans Freedom Fighters, à plus grande échelle, dans une époque plus moderne, dans New York, avec des New Yorkais qui vont se cacher dans les quartiers pauvres, dans les égouts, pour mener une guérilla contre l'invasion soviétique. Je vous propose qu'on skippe la cinématique pour plonger directement dans l'action, l'invasion de Manhattan, où notre frère va être capturé par les Russes. Nous, nous étions cachés dans la salle de bain et on va essayer de s'échapper et nous allons rencontrer la bonne personne. Donc on essaie de pas se faire transformer en gruyère par hélicoptère. Là, il y a un garde. Ouf, coup de clé à molette. Et nous rencontrons le premier contact. Vous avez de la chance de tomber sur moi. Vite, par ici. Donc comme on peut le voir, hein, même si le jeu est un peu amélioré par les joueurs de l'émulation, graphiquement c'est très beau parce que le studio IO Interactive avait une patte graphique via Hitman 1 et 2 et Hitman 3 dans les eaux-là. Je sais plus quand est sorti Hitman 3. Une patte graphique assez, j'ai envie de dire, assez comics quelque part. Des personnages qui ont des visages lisses mais un peu anguleux, des textures très propres, très lisses. Une patte graphique en fait qui vieillit très très bien. Et on le remarquera tout de suite aussi ce qui a fait la force de la saga Hitman, vous l'avez vu quand ce garde est tombé, le ragdoll, donc cette technologie qui donne une physique réaliste aux cadavres. Une fois qu'ils sont morts, ils tombent de manière réaliste, ils ne tombent pas de manière prédéfinie comme dans Medal of Honor, qu'on en a pu voir dans une vidéo précédente. Et du coup ça donne un impact tout particulier aux fusillades, vu que ça donne plus de gratification lorsqu'on abat nos adversaires. Regardez là par exemple, dans cette explosion, elle pourra avoir lieu 10 fois différente, ils n'exploseront pas de la même manière. Voilà, des corps qui sont projetés un peu comme des sacs à patates, ça fait toujours son petit effet. Bon, à savoir que dans ce Freedom Fighters, j'ai toujours considéré que la gestion des corps était un petit peu exagérée, mais ce qui donnait un peu son cachet fun au jeu. Donc là, le jeu nous apprend voilà, qu'il faut se soigner, donc on a un menu circulaire, et hop, on utilise la trousse. Vous êtes prêt à repartir au combat. Surtout qu'on s'échappe, parce que là, c'est un peu le bordel dehors.
Donc on est sur un TPS classique, mais vous allez le voir où il y aura plus tard de la gestion de troupes, parce qu'on va être accompagné de guérillos, si on peut dire américain, où il faudra donner des ordres très simples, mais très instinctifs, comme se défendre, rester avec nous, attaquer. Et ça va donner toute sa saveur au jeu, parce qu'il y aura des... des vraies escarmouches quoi, qui vont se faire en pleine ville. C'est un peu ça la force de Freedom Fighters quoi. Là on a notre premier soldat en fait. Donc là j'ai un Molotov. Et hop, on jauge un peu. Alors, ça ne l'inquiète pas trop de voir le mur prendre feu. Tant mieux pour lui. C'est vrai que dans Freedom Fighters, j'ai toujours trouvé le lancer de grenades et de Molotov très instinctif en fait. On arrive rapidement à placer les explosifs où on veut grâce à cette jauge. Faut pas déconner, on va quand même prendre notre arme. À sorte que lorsqu'on ne vise pas, voilà, quand on est proche de l'ennemi, il y a une visée automatique, un accrochage, un peu à la GoldenEye, qui se met en place. Et au fur et à mesure du jeu et de nos actions, on gagnera ce qu'on appelle des points de charisme qui nous permettront de recruter de plus en plus de soldats. Bon, ça c'est assez linéaire, hein, ça va naturellement se débloquer au fur et à mesure du jeu. Mais ça permet quand même de signifier notre progression. Et voici la propagande russe qui se met en place. Citoyens de New York et camarades de l'armée soviétique, bonsoir et bienvenue au premier journal de la nouvelle ère qui débute aujourd'hui. Je m'appelle Tatiana. C'était quand même bien produit pour l'époque. Hein. Je rappelle, on est en 2003. Je vous présenterai le journal télévisé. Nous espérons pouvoir coopérer avec... Mais bon, nous on va se focaliser sur le gameplay. Franchement, si vous avez envie de redécouvrir ce jeu... sur les consoles originales, donc PS2, Xbox, GameCube, ça vaut une bouchée de pain. Le jeu est peut-être disponible sur Steam ou sur GOG pour rien. Et si vous voulez passer par l'émulation, à part quelques glitches à signaler dans les menus, le jeu est parfaitement jouable. Mais c'est vraiment un jeu hyper accessible. Hein. Ça me fait mal de couper un peu les cinématiques parce que les musiques de Jesper Kidd sont quand même très, très, très enivrantes. Et donc là, on voit aussi, petite particularité, mais que l'apparence de notre personnage a changé. Voilà, il a enlevé l'eau de sa salopette, il a une veste. Et au fur et à mesure de la progression dans le jeu, déjà la météo va changer, parce qu'on va arriver dans l'hiver. À la fin du jeu, il y aura carrément de la neige, donc ce sera sublime. Et notre personnage va vraiment avoir plus d'équipement de combat sur lui et tout. Ça n'aura aucun impact sur le gameplay, mais ça aura un impact sur la temporalité du jeu, en fait. Sur vraiment le fait que l'histoire évolue, et notre personnage aussi, même dans son caractère. Et donc voilà, au fur et à mesure du jeu, on va évoluer à travers différents quartiers, différentes maps, où on aura un choix de mission, et des fois les missions, selon l'ordre dans lesquels on accomplit les missions, il y aura des conséquences, voilà. Si j'attaque le commissariat, il me semble qu'ils auront moins d'armement pour défendre la poste. Ou inversement, je ne sais plus. Je crois que le bonhomme nous l'a expliqué, mais nous ne l'avons pas écouté. Mais on va essayer de reprendre... je crois que ça va être dur le commissariat. On va essayer d'attaquer la poste. Le bureau de poste est le bastion des soviets. Il sert de dépôt de soutien aux troupes qui avancent dans la ville. Votre frère y est retenu prisonnier. Voilà, c'est un dépôt, donc on peut saboter la station-service. Et si on hisse le drapeau sur le bureau de poste, on signifie la fin de la mission et on recrute aussi pas mal de gens au passage. Donc on va essayer de se frotter à cette mission. Alors pour l'instant, nous sommes solo. Et nous pouvons recruter un homme. Hey mec, faut que je te parle. Ah bien, on parle. Tu vas avoir besoin d'explosifs si tu veux détruire cette station service. Tu en trouveras dans l'autre quartier. Ah, vous voyez ce qu'il me dit? Eh ben, c'est que si je veux saboter la station service, je vais avoir besoin d'explosifs. Donc là, je ne pourrais pas accomplir la map entièrement. Je peux toujours attaquer la poste pour prendre contrôle du quartier, mais je ne pourrais pas détruire la station service. Donc là, je vais dans l'autre zone. Donc là, je me dirige vers le commissariat. Là, on a des policiers, voilà, qui luttent contre les Russes. Aidez-nous ! On est coincés ! Ah bah là, j'ai trouvé du C4. Mais là, je peux... Voilà. En fait, ça va pas plus loin que ça pour le moment, mais au fur et à mesure du jeu, ça se complexifiera. Mais là, je peux pas avancer parce qu'il y a des snipers. Si je passe, je meurs direct. Mais... Voilà. Retour à la poste. Donc on va pouvoir effectuer la mission avec les explosifs. Mais vous avez vu déjà en substance la mécanique de gameplay qui va lier les niveaux entre eux au fur et à mesure de l'aventure. Là, c'est très simple parce que c'est le premier, donc c'est comme du didacticiel. Hein.
Alors, la visée était très particulière en Freedom Fighters, parce que, en fait, vous voyez, on bouge le viseur avant de bouger la caméra, donc c'est assez bizarre, et du coup, l'angle est très réduit, on est sur console, donc le field of view, le champ de vision est assez restreint, mais, et puis la visée est très réaliste, hein. Vous voyez, le recul des armes, la dispersion des armes et des balles est très réaliste et nous met vraiment dans les bottes d'un citoyen lambda qui a à peine appris à tirer il y a quelques heures. Donc vous voyez, les niveaux et la construction de niveau est assez profonde. C'est pas juste un shooter où on commence d'un point A et on finit à point B. Il y a quand même des bifurcations, des coins à explorer, des checkpoints à établir et basculer d'un niveau à l'autre pour faire progresser l'intrigue principale. Donc je me souvenais plus vraiment de tous ces détails, vous voyez, ça prouve que le jeu avait ce petit truc en plus, quoi. Là, il y a une autre bouche d'égout, mais on va pas l'ouvrir. Ah, je m'en souviens de ce qui se passe, en fait. Regardez, on va saboter. Du coup, on va saboter les réservoirs. Et ça va avoir une influence directe sur l'autre quartier, sur l'autre mission. Vous voyez, c'était les snipers. Vous voyez, voilà. Là, on vient d'abattre les snipers. Qui bloquait les policiers. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va aller au commissariat, donc c'est un petit jeu d'aller et retour, pour prendre le commissaire d'assaut, espérer libérer Isabella pour que ce charmant monsieur dans la ruelle nous permette de passer. Alors c'est perturbant, quand on vise la vue est vraiment très 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 serrée. Il n'y a pas de changement d'épaule je crois. Vous voyez comment les gardes se comportent là? Ils approchent doucement. Mais bien que simulant le recul et l'imprécision, le feeling du tir est très très bon. Allez sors. Sors coquin. L'intelligence artificielle est quand même sympathique parce que voilà, elle s'adapte, elle s'approche doucement, elle se cache. Bon, eux au fond n'ont rien vu. Voilà, ça c'est cadeau les gars. Laissez-les brûler! Donc on est passé par la bouche d'égout. Et lui il attendait là calmement. Passez par le parking pour entrer dans le commissariat, mais attention, les soldats pourraient vous repérer. Donc il n'y a pas vraiment de notion d'infiltration, mais avancer à couvert, c'est quand même quelque chose qui peut aider. Je peux passer par... Ah oui, là il y a une porte. Il y a un garde qui m'a vu, mais c'est pas très grave. Ah oui, j'aurais pu passer par là, ok. Voilà, la visée. Le chargement est automatique. Alors ça, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup appuyer sur une touche pour recharger. J'ai récupéré un shotgun. J'ai fait exploser une voiture dans ma tête. Mais ça va, je vais bien. Je le vis bien. Quelque chose que je vis bien. Alors, on se soigne. Et comme vous l'avez constaté, on peut porter que un type d'arme lourde et légère sur nous. Donc là, on va progresser au shotgun. Bon, je disais que l'intelligence artificielle était sympathique, mais eux là-haut, ça ne les a pas trop alertés que. Qu'on fasse exploser une voiture. Et voilà, quand on est à mi-distance, on va reprendre la calage quand même. Un peu avare en munitions, mais. Je vais reprendre le pompe. Oh, le space, il tire très vite. Voilà. On négocie pas du tout là. On n'est pas là pour ça. Et on va progresser dans le commissariat. Donc ça, c'est Isabella, hein, chef de la résistance. Et bim! Pourriture de communiste! Red, dead. Donc le headshot, hein, fonctionne. Quand on arrive à le placer. Donc on... Donc on va se soigner et on va jouer un peu agressif.
jouer l'américain fou. Oh, boum. Alors lui, je lui refais le dos. Allez, pour changer, on va passer un peu sur la AK. Donc, le feeling est très très bon, hein. Très satisfaisant. Et ça, c'est appuyé par la gestion réaliste des corps, en fait, hein. Très satisfaisant de scotcher un mec au mur avec le Space 12. Bon, on essaie de tirer par rafale parce que en automatique... Ah, j'ai plus de balles, c'est super. En automatique... On a vite fait de perdre notre précision. Les trousses de soins et de munitions un petit peu partout. Alors, si vous visez... Voilà, là vous avez vu le défaut du jeu. Si vous visez un peu à l'angle d'un mur comme ça, la caméra peut... de plus savoir qui elle est, comment elle s'appelle. Un petit peu contraignant. Donc il faut toujours viser en ayant reculé du mur. Ce qui n'est pas toujours instinctif. On va procéder à un petit soin, parce qu'on a pas mal de trousses. Et on continue notre ascension. Moi, je m'en souviens, à l'époque, c'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois. J'avais tellement adoré. J'avais fini en normal, en difficile. Je regrettais même qu'il n'y ait pas un mode de difficulté supplémentaire. Et il y avait un mode multijoueur, donc je fais une dédicace à un bon poteau. C'était un mode versus, mais dans lequel où on était sur une map avec différents points à capturer. Et chaque joueur pouvait recruter 12 soldats. Et en fait, c'était une guerre où deux joueurs s'affrontaient, mais chacun avec une petite armée. Et c'était hyper jouissif. Et nous, ce qu'on aimait bien faire pour faire durer le plaisir, c'était pas forcément écraser l'autre en capturant les points directement, mais... équilibrer la partie en capturant tous les deux points et forcer nos hommes à s'affronter et participer à ces batailles. En fait, on se crée nous-mêmes nos propres escarmouches, quoi. Et c'était vraiment c'était excellent. Je m'en souviens, on envoyait des fois 12 mecs sur un point et l'autre il envoyait une grenade au milieu et t'avais un florilège de corps qui volait. C'était vraiment super. Bien sûr, c'est du jeu vidéo. Hein. Ah, Isabella est là. Viens m'aider. Donc là, on libère Isabella, chef de la résistance, qui nous rappelle que pour signifier la libération de ce quartier, nous devons hisser le drapeau, nous devons hisser nos couleurs et bouter l'envahisseur hors de ce quartier. Donc voilà, on s'apprête à attaquer le bureau de poste, qui est un QG des soviétiques, et le jeu nous introduit le système de commandement, où grâce aux actions que nous avons réalisées, nous pouvons recruter deux hommes. Ah, merci. Souviens-toi que tu diriges tes hommes. Tu peux leur donner des ordres. Et nous voilà partis. Cette petite troupe là-haut. Donc là, je leur ai ordonné d'attaquer, vous avez vu. Les hommes combattront tous les ennemis se trouvant dans la direction que tu leur indiqueras. C'est pas toujours les couteaux les plus affûtés, mais bon, au moins ils sont là. On se regroupe. Et avec A, on les rappelle. Tu es un vrai leader. Il est important parfois de savoir au combat. Écrasez-les. Escalade ce conteneur. Là, je les ai mis au combat. Nous sommes à un point stratégique qui permet d'avoir un aperçu de l'avancée des combats. C'est bien utile pour les manœuvres. Tu peux alors diriger tes troupes tout en étant à l'abri. Éliminez la cible. Allez-vous tous! Vous avez vu, il a contourné le soldat ennemi quand même. Hein. Éliminez-les. Là maintenant, le bouton enfoncé, je les ai tous les deux mis sur cet homme-là. Moi, je vais essayer de les couvrir. C'est de les aider surtout. Mais là, vous voyez, j'ai que deux hommes. Imaginez lorsque j'en aurai 12 à la fin du jeu. C'est assez impressionnant des fois les escarmouches que ça peut créer sans jamais que le jeu rame, hein, bien naturellement. On peut avoir des dizaines d'ennemis à l'écran, nos dizaines d'hommes, et avoir une vraie bataille qui se livre sous nos yeux. Donc on a bel et bien une carte de niveau. Vous pouvez voir les objectifs des missions. Je les ai affichés à mesure qu'ils seront atteints. Pas de quartier. Cherchez des chemins alternatifs. Ils pourraient vous faciliter la vie.
J'ai dessiné sur la carte un rang ici, mais je ne sais pas où les autres se trouvent. Oh, c'est de la folie. Oh, j'ai un homme à terre. Ça, c'est terrible, ça, c'est terrible. Alors ça, c'est un misclic. Pourquoi j'arrive pas à toucher ce bidon? Donc on se soigne, on récupère la trousse. On soigne notre homme. Voyez, on peut relever nos hommes. Hein. La mort n'est pas définitive. Hop. Pas venir celle-là. Hop. Oh, c'est pas une bonne idée ça. Je rappelle mes hommes. Donc vous voyez, j'essaie de viser et la caméra s'est foutue. Mon personnage s'est retourné. Ça fait n'importe quoi. Donc oui. Il y a des gros ratés au niveau de la caméra de visée, mais pas de quoi enterrer le jeu. Hein. C'est juste gênant par moment. Ah, cette chaise est quand même bien, bien pare-balle. Donc putain, on a libéré un prisonnier. Ah, les munitions, ça tombe. Et là, si je veux, je peux demander à mes hommes de rester ici pour défendre la position. Au cas où des Russes viendraient à monter, quoi. Désolé. Mais c'est mon frère en plus. C'est le frère du héros, donc tout va bien. Ça, c'est cadeau barbecue, les gars. Et voilà. On peut terminer cette opération qui était un petit peu bourrine, hein, faut bien l'admettre. Mais voilà, c'est un jeu qui reste un peu dans son jus, même si je le trouve très bien réalisé, encore très très actuel, vous l'avez vu. Même si on n'y joue pas par émulateur, sur console d'origine ou sur PC, bien évidemment, le jeu reste magnifique avec sa direction artistique lisse et pour ma part un petit peu intemporelle. Et donc Freedom Fighters, et ben c'est un jeu que je vous invite à découvrir ou au moins à vous souvenir de son existence, tant ce jeu est très efficace dans ses mécaniques de shoot et de gestion d'équipe, à la fois très simple, mais voilà, instinctif. Vous avez vu, en pleine action, on peut dire rapidement à nos hommes ce qu'on veut faire et tout, et parce que le jeu dégage une ambiance assez unique, vous l'entendez peut-être encore avec les partitions musicales de Jasper Kidd, et ce contexte de ville américaine de New York envahie par les Russes, aujourd'hui en plus avec ce qui se passe dans l'actualité. Ça peut faire un écho un peu bizarre, je l'avoue, je viens d'y penser. Est-ce que j'aurais dû faire cette vidéo? Non, je ne sais pas. N'oublions pas que tout ceci reste du divertissement et du jeu vidéo, mais quand bien même, voilà, ça fait réfléchir. Et c'est un jeu qui m'est resté dans la tête voilà, depuis toutes ces années. C'est un jeu que j'aime depuis 2003. C'est un jeu que j'ai dû faire au moins 3-4 fois dans mon parcours de gamer. Et c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire, un pouce et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu !